les actes posés par Sa Majesté Madiba qui nous ont manqué. Peut-être l'inverse pourrait nous permettre de répondre facilement parce qu'il est impossible, il est quasi impossible de commencer à citer. Le Père, comme moi je l'appelle affectueusement, c'était quelqu'un de particulier. J'ai souvent envie de dire d'extraordinaire parce que tous les mots qui sortaient de sa bouche étaient des mots très très forts et des mots qui nous touchaient fondamentalement. Sa capacité à nous mobiliser, sa capacité à m'amener, moi, à être dans ce milieu, je ne peux pas dire comment ça s'est passé, mais il est l'un des acteurs qui m'y ont amené. On a commencé longtemps, je suis arrivé à la chefferie, beaucoup de gens sont venus vers moi, mais le jour où j'ai rencontré ce papa, ça a été le déclic. Il a mis en moi une autre façon d'être roi, une autre façon d'être chef. Et depuis ce jour-là, je suis là. C'est celui qui a su nous amener, nous jeunes chefs, à coupler la tradition et la modernité. C'est lui qui nous a amené à comprendre que chef, on devait sortir, n'est-ce pas, de ce petit carcan de roi pour de temps en temps flirter avec d'autres milieux pour comprendre les vraies réalités de la vie sociale et de la vie de nos différents royaumes. Bref, il est difficile de dire avec exactitude ce que ce monsieur a fait dans nos vies. Et comme je l'ai dit, si on nous demandait qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour nous, la question serait rien. Il a tout fait pour nous, il nous a tout dit avant de partir. Monsieur Madiba Songhai, avec mes 55 kilos, je ne crois pas que ce soit moi qui puisse parler de lui. Mais il y a une chose qui me... Je ne sais pas si c'est une coïncidence ou qu'il ne soit pas là pour les prochaines sénatoriales. Je crois qu'il aurait eu encore la confiance du président Paul Biya. C'était un monsieur, quand on ne l'approchait pas, on avait l'impression qu'il était sévère. Mais quand on avait eu la chance vraiment d'arriver vers lui, il était d'un calme. Je ne sais pas, il parlait français, il parlait douala. Il est toujours vivant parce que chez nous, les morts ne sont pas morts. Mort, M-O-R-T, c'est le mouvement obligatoire de retour en terre. Il n'a fait qu'un mouvement et il est avec les ancêtres. Madiba, en tant que tel, c'était un homme pragmatique, un homme courageux, un homme qui n'arrondissait pas les angles et qui savait dire ce qu'il pensait. C'est un homme merveilleux. Donc en 2014, la princesse faisait amener 14 rois, 34 rois au Gabon, autant pour moi. Et Madiba faisait partie de la délégation jusqu'à ce jour. Nous sommes restés en amitié. Nous avons été jusqu'au Congo, enterrer le roi Makosso IV ensemble. Il était déjà très souffrant, mais il avait cette volonté de faire, d'être avec ses frères, majesté. C'était un homme carré, un homme charismatique. Donc en lui, nous avons beaucoup appris. Et en lui, nous le devons vivre le roi. Parce que chez nous, le roi ne meurt pas. Il a poli sa pierre. Et aujourd'hui, il va rejoindre les ancêtres. Et en cela, je dirais tout simplement, Dieu du Cameroun doit se manifester en lui pour l'accompagner. Parce que l'autre Dieu d'Israël, non, nous ne connaissons pas. Nous connaissons le Dieu du Cameroun, le Dieu du Gabon. Et je ne suis pas venu uniquement de ma propre personne, je représente aussi mes frères du Gabon, le roi Tati Dolo de la communauté Sekiani, le roi Reliou Anchango de la communauté Arungu, le roi Sa Majesté Alaga de la grande communauté Ogbonou, le chef suprême à Oyemi, donc qui m'ont délégué de venir dire au revoir à notre frère qui rentre dans la forêt sacrée.